Bonjour, je suis Johan Cohen, commissaire général du Salon Agricole de Paris, dans le cadre du Salon Agricole. Cette année, nous avons failli ne pas faire le salon. Faute de moyens, malheureusement, nous n'avons pas de filière forte derrière nous pour nous financer. Comme vous pouvez le constater, on a presque 9000 animaux qui ont été présentés pendant une semaine. On a installé un atelier pédagogique, le but étant de présenter donc les animaux aux enfants. Donc c'est le toucher, c'est l'essence en fait. Bon, j'arrive pas à faire exactement ce que je veux parce que les familles sont pressées, ils ne s'arrêtent pas longtemps. Mais là déjà on peut faire le toucher et expliquer et répondre aux questions surtout. Et ça marche très très bien. On a toujours été débordés. Ça attire beaucoup de monde. Tous les enfants courent après nous, se documentent sur les lapins et tout ça. Et avec la distribution des petits filous, ça attire tous les petits-enfants. Voilà. J'avais démarché Yoplait, car c'est une société qui est proche de la nature et proche des éleveurs, et pour nous aider à faire cette exposition. Nous avons décidé de faire l'animation petits filous, de donner des petits échantillons à tout le monde. Et nous étions partis sur 1200 échantillons par jour. Et nous avons eu un grand succès, nous sommes à 3000 par jour, 3800 par jour échantillons. Vu le succès que nous avons, c'est débordant, on ne pensait pas que ça allait être aussi fort. Les gens se sont rendus compte que vraiment Yopé était beaucoup plus près des éleveurs, car ils étaient vraiment impliqués. Alors, à la Fédération des volailles, à la SCAF, nous sommes très contents de ce partenariat. Ça nous permet de pouvoir maintenir notre présence ici au sein du Salon de l'Agriculture, présence qui est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de contraintes. Sans cette marque, on ne serait pas là. Merci, s'il vous plaît.